Qu'est-ce que t'as dit, chérie? Une vidéo. Tu vas faire une nouvelle vidéo? Oui. Tu tournes ta vidéo? Oui. Oui? J'ai pas d'appareil. T'as pas d'appareil? Non. Maman, un jour, elle t'achètera une caméra pour toi. Je veux une noire. Tu veux une caméra noire? Oui. Pour faire des vidéos? Oui. T'aimes bien faire des vidéos? Oui. Tu veux qu'on fasse une vidéo toutes les deux cet après-midi? Oui. Une vidéo de cuisine? Oui. Oui! On va faire ça. Maman va travailler dur pour qu'on puisse la faire cet après-midi, d'accord? D'accord? Oui. Hello tout le monde! Nous sommes samedi matin. Je pense que j'ai contaminé ma fille avec les vidéos. Mais il faut dire que c'est une histoire de famille. T'as pas ouvert ma boîte? Oui, je peux ouvrir ta boîte, mais tu vas faire du dessin, ça veut dire? Oui, de dessin. Ok, je vais ouvrir ta boîte. Moi. Oui, je vais te sortir une feuille. Alors, est-ce que tu peux aller ranger ça pendant que je te prépare ton bureau pour que tu fasses du dessin, chérie? Comme vous pouvez le constater, cet enfant a bien mangé ce matin, elle a la bouche pleine de chocolat. Comme ça. Laisse-le là, je prépare ton bureau pour que tu dessines. Et oui, la vidéo est une histoire de famille, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon grand-père était monteur à la télé. Il y a fort longtemps, mais du coup je l'ai toujours vu avec une caméra à la main. C'est ça le truc, c'est que c'est genre un des pionniers du vlog parce qu'il a que ça quoi. Toute sa vie c'est tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que même quand il était pas au boulot, il filmait sa famille, il filmait tout ce qu'il faisait, les anniversaires et tout ça. Et genre c'est un pionnier du vlog en fait. C'est le plus vieux vlogueur du monde, sauf que ça n'a jamais été mis en ligne. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça ne me dérange pas d'avoir la caméra et de partager. Parce que j'ai toujours été habituée à partager les moments importants. Donc vu que tous les jours est important, on partage. Bon, je lui prépare son bureau pour qu'elle fasse des dessins. Je finis de mettre en ligne le vlog et je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse vous tourner une vidéo sur les nouvelles chaînes aujourd'hui. Parce que la première que j'ai tournée, elle me plaît pas. Et puis je vais essayer de bosser sur les nouvelles chaînes. Et puis je voudrais ouvrir un blog aussi pour partager des choses un peu différentes. À voir. C'est beau, j'aurais dit que c'était une belle année. Aujourd'hui je me suis chauffée. Je pense que aujourd'hui ou demain on va sortir la nouvelle chaîne tous ensemble. On va faire un projet collectif. Tous ensemble, mes abonnés, mes pandas. Franchement on va faire ça tous ensemble parce que clairement je vous adore. J'adore votre positivité, j'adore vos messages adorables. Donc du coup, vous avez souvent de bonnes idées. Donc du coup, je vous mets dans le package et c'est parti. Loïs, ton café est servi. Je suis prête à faire en tout cas les photos de la chaîne. Regardez, j'ai fait mes cheveux. C'est beau, hein? Et Lyra aussi, elle est prête? Ça va, mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un dessin sur madame. C'est qui, madame? C'est maman. Ah, d'accord. Je fais une fusée. Tu fais une fusée? De ma... ça. C'est trop cool. De mon blu-ray.
Dans ton bureau? De mon bureau. Oh! C'est trop joli. Et j'espère aussi avoir le temps de tourner la vidéo. Là, il y a Sarah qui est une abonnée. Qui m'avait déjà fait des photos, qui m'a proposé que je la contacte quand j'avais besoin de faire des photos. Et là, du coup, il me faut des photos pour faire la bannière, la miniature, tout ça. Donc je lui ai proposé de revenir. Et du coup, elle vient. Elle devrait pas tarder d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher Sarah en bas. Oui, en bas. Vas-y. Ah bah oui. Non, maman va faire. Sarah va nous faire des photos. Va nous faire des photos pour la nouvelle chaîne. Oui. Et moi pareil. T'en as pas encore, t'es trop petite pour l'instant. Mais je vais pareil moi que toi. On verra pour Noël. Franchement, mes cheveux ils sont tellement mieux quand ils sont coiffés que j'exagère hein, de pas le faire. Mais bon, ça prend trop de temps. Moi j'aime bien, hein, j'adore hein, quand ils sont coiffés, mais ça prend du temps. Du temps que je prends pas. Je devrais peut-être en prendre. Me lever encore plus tôt. Qui sait. Elle est là, Sarah. Évidemment, je vous avais calé de façon à pouvoir filmer une partie de la séance photo et évidemment, je n'ai pas lancé l'appareil. Donc la séance est finie. Avec Sarah, on va se caler pour travailler un peu sur les photos et créer la bannière et la miniature. Du coup, je pense pas qu'on aura le temps de tourner une vidéo, mais bon, on va voir. Bon, mes petits pandas, Sarah vient de partir et nous, on doit aller faire des courses. Hein, mon cœur, faut aller faire les courses. On doit aller faire des courses, des petites courses. En fait, il me faut des œufs là pour que je puisse vous tourner la vidéo. On va faire un gâteau, chérie. Il me faut des œufs, ça c'est une certitude. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il faut des œufs. Des œufs, du fromage. Oh, mon téléphone s'affole. Et j'ai sorti la poussette parce qu'il pleut avec la protection de pluie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller dans la poussette? Oui. Comment ça se fait? Bon, ouais, je vais t'installer dans la poussette, chérie. T'inquiète. C'est possible. Pardon? Possible. Le plus vite possible? Plus vite. Mais je comprends pas ce que tu racontes. Plus vite. Comment ça, plus vite? Non, mais ça va pas, cet enfant. Le seul manteau à capuche que j'ai, c'est ma vieille doudoune que j'avais payé une blinde et qui est en matière sac poubelle. Hein, je sais pas comment j'ai pu dépenser. Je l'ai payé très cher. Hein. Je me rappelle, j'ai payé très cher. Je sais pas comment j'ai pu dépenser autant d'argent pour cette doudoune. Bon, je l'ai. Elle tient chaud. Hein, mais bon. J'ai une doudoune comme toi. Parce que, allez, c'est pour protéger mon brushing. C'est parti. Je cache le brushing, on y va. Je crois qu'elle dort bien là. Tu dors mon cœur? Elle ronfle cet enfant. Bon, normalement la première vidéo de la nouvelle chaîne qui va s'appeler donc Avec Becca et qui est anciennement la chaîne Les Bécos de Becca est tournée. Maintenant il va me rester toute la partie montage, voix off et compagnie à faire. Oui Elior, effectivement c'est pas ce que tu aimes. Ah ben non, c'est pas l'heure de bonbons. Là j'ai mis les pommes de terre à cuire. Non. Là j'ai mis les pommes de terre à cuire à la vapeur et ce soir c'est magret de canard pour nous. Je vais faire goûter à Eliora, mais sinon elle aura un truc à côté, un truc tout simple à côté, voilà. T'en as pas marre de dire des bêtises? Non. Regarde. Je te vois. Oh non, c'est pas joli. Oh là là. Ce bébé il aura pas le Père Noël, il aura pas de cadeau à Noël. Eh ben non, il y aura parce que les petites filles, elles doivent pas dire de gros mots comme ça. C'est un, mais il a dit caca boudin. Oh, et en plus, tu balances les autres comme ça, toi. Oh non, c'est un, mais il a dit caca boudin. D'accord, et toi, t'as dit quoi? C'est dit caca boudin de ma maison. C'est pas bien. Pourquoi tu rigoles? C'était bien. On dit pardon, maman. Pardon, maman. Mais c'est quoi ce dessert? C'est quoi? Oh non. Comment ça s'appelle? C'est pas grave chérie, je nettoierai après. Comment ça s'appelle? Un mangas. Non, c'est un milkshake. Milkshake. Au chocolat.
Qui c'est qui l'a fait? C'est maman. Et c'est bon? C'est beau, chérie? Je crois que c'est bon. Ça te plaît? Oui, pourquoi il ne peut pas passer dedans? La crème? Il faut mélanger si tu veux qu'elle aille dans la paille, la crème. Sinon, tu peux la manger avec la fourchette. Hein. Ou comme ça. La paille dans la bouche, comme ça. Vas-y, mets dans la bouche. Miam, 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 miam. Elle est bonne, la crème que maman elle a faite? Oui, je crois que ça te plaît. Hein. Pourquoi il n'y a pas un trou? Pourquoi il n'y a pas un trou dedans? Pourquoi tu veux qu'il y ait un trou dedans? Et où? Il n'y a pas de trou. Pourquoi? Mais pourquoi faudrait qu'il y ait un trou? Quelqu'un y a où? C'est qui? C'est Natacha. Oui, c'est Natacha. Pourquoi une fille y a où? Bah parce qu'elle habite là-haut. Oh, et Zéna? Aussi. Mais quelques coutinette. Allez. Bon appétit! Oh, c'est bon ça! Tu peux prendre et filmer ce que tu veux. Papa! Vas-y! Non? Okay. Je veux pas revenir! Je veux filmer! Juste ici, papa! Ce soir, c'est magret de canard avec pommes de terre cuites dans le crin du canard. J'ai mangé du guacamole avant parce que du coup, les avocats que j'ai achetés, ils étaient pas bons tout seuls. Donc j'en ai fait un guacamole, mais Loïs aime pas ça. Loïs, il est servi aussi. Bon les pandas, ça y est, la journée se termine. Mon appareil déconne encore. Papa Loïs est là, il va aller se coucher, moi aussi. Je vais me démaquiller d'ailleurs parce que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Je viens de terminer le montage et la mise en ligne de la première vidéo de la chaîne avec Becca que j'ai tournée aujourd'hui, montée aujourd'hui, mise en ligne aujourd'hui. Ça représentait beaucoup de boulot. Il est minuit passé et Yora dort bien profondément en ronflant. Et voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aller vous abonner. La chaîne c'est avec Becca. Je vous mets le lien en barre d'infos bien évidemment. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Encore une super journée bien remplie. Passez avec nous. On espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésite pas à aller t'abonner à ma nouvelle chaîne qui s'appelle donc avec Becca. Je te mets ici là. Je te mets ici ma petite tête. Tu peux également t'abonner à cette chaîne, hein, Journal d'une maman. C'est complètement gratuit et ça fait vraiment plaisir. Je te mets également une petite vidéo que tu n'as peut-être pas encore vue. Et je te fais plein de bisous. À demain. Bye bye.